Une iconographie qui rappelle aussi. Alain Juppé s'est dit admiratif de la transition politique pacifique en Tunisie. Berceau du printemps arabe, la Tunisie est en effet le seul pays à avoir évité le chaos après la révolution de 2011. Avant son audience avec le président Béji Caïd Essebsi ce lundi, l'ancien premier ministre français et candidat à la primaire des Républicains pour la présidentielle a visité le musée du Bardo. 22 personnes y ont été tuées en mars 2015 dans un attentat revendiqué par l'État islamique.